Bonjour à tous, c'est Starkiller1989. On se retrouve pour l'épisode 2 de Tom Clancy de Division, les potes. C'est parti, on y va. Donc, on était arrivé niveau 3. Voilà. Excusez-moi, il y avait le son de mon téléphone. Donc, voilà. Je tiens à déjà accueillir tout le monde. Donc, je tiens à dire un bonjour à tout le monde. Bonjour à tous, les potes. J'espère que vous allez bien. C'est parti, donc on va lancer le deuxième épisode sur deux divisions. Je vois qu'il y a une news. Ils disent que maintenant, serveur programmé ce jeudi à 7h. S-C-E-T, pardon, plus d'infos sur les forums. Donc c'est parti, on va continuer. Donc souvenez-vous, on est arrivé à Manhattan. Donc on avait fini l'introduction, donc on avait fini le prologue, le tuto de Brooklyn. Hein, et on était parti en hélico, en urgence jusqu'à Manhattan. Donc Manhattan qui est la big ville de New York, on va dire comme ça. Voilà quoi. Donc si mes souvenirs sont bons, on devait rétablir donc on... voilà, établir la base d'opération. Donc on est au campement Hudson actuellement. Voilà, donc c'est parti, on va y aller. Donc encore une fois, bonjour à toutes les personnes qui arrivent, c'est parti, on est lancé pendant 50 minutes sur deux divisions. Regardez, c'est vraiment... Oh là. Ok, très bien, ça commence déjà bien. Il y a vraiment de gros problèmes de serveur. Ça va être chaud de streamer dessus les gars. Chaud. Perso, si je vois que ça va pas, comme dans le premier épisode, hein, je le dis toujours. Ben écoutez, on remettra ça à plus tard. Faudra peut-être attendre un petit peu, mais j'avoue que pour le moment, j'arrive même pas à peine dans la partie, j'ai déjà une erreur de serveur. Ok, quoi. Donc on va retenter. Si ça me fait encore ce problème-là, ben je mettrai fin et je supprimerai les... Malheureusement, les petites coupures ainsi, parce que c'est un peu gênant quand même. En plus, ça me fait rire, j'ai pas encore joué une seule fois aujourd'hui à des divisions et ça y est, j'ai déjà de... Ok, je peux... Le jeu m'interdit d'y jouer au KLM, les gars. C'est des fous, les gens. Puis ça fait déjà 6 minutes que j'ai lancé et ouais, ça va trop vite. Bon, espérons que ça me le refasse pas. C'est parti. Donc, établir la base d'opération. Oh, c'est magnifique, les gars. Enfin, je dis pas que c'est le plus beau jeu du monde, hein, mais franchement, il en jette, hein. Donc voilà, on rentre dans un truc sécurisé, hautement protégé. Compressurisé, enfin je sais pas, compressurisé je pense. Regardez, trop stylé. Terrible. Terrible les potes. Je sais pas, je sens quand même que je vais avoir un autre bug parce que je vois qu'il y a assez de gens. Marchand découvert, marchand de matériel, marchand d'armes découvert. Marchand de matériel. Y a quelque chose qui te plaît ? Ouais, quand même. Donc vous voyez en bas à droite, hein, j'ai 275 pas de dollars. Enfin, je sais pas si c'est les dollars, mais on va dire de thunes, d'argent. Donc ils vendent des objets verts. Donc marchand de matériel, c'est tout ce qui concerne les armures. Hein, vous pouvez le voir, les gants. Les holsters, les grenouillères, les sacs à dos, les armures corporelles, les masques, etc. Ah, lui, il est chaud. On va faire un petit peu d'échauffement avec lui. Il est vraiment... Il m'a tenté, les gars. Il m'a tenté. Allez, on y va. Hein, on est chaud. Les gens, je te demande trop quoi. N'importe.
C'est terrible. Allez, hein, il manque plus que lui, les gars, et on est 5 à faire ça comme des cons. Vas-y, fais-le. Il fait quoi, lui, en fait? Donc, bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Trop fort. Voilà, on va les saluer. Hop. C'est parti, marchand d'armes. C'est vraiment du n'importe quoi ce jeu, les gars. Bon, oh, ils vendent pas. Oh, punaise, ils vendent pas mal quand même. Ils vendent des belles armes. Oh, il y a une MK de la police qui m'intéresse, mais ça coûte 287. On va essayer plutôt de la looter. Donc, c'est parti, hein. On va plutôt se concentrer sur les missions. J'ai peut-être. Ouais, non, j'ai oublié. J'ai peut-être vendre quelques armes parce que je vois que j'ai des armes qui me servent à rien. Genre le pompe. Hop, celui-là aussi. La mitraille, la garde. Ça. Je le dépose. Le masque de protection. Ouais, je le vends. Le gilet pare-balles aussi. Je vois que. Attendez, on va regarder un petit peu dans l'inventaire. Parce que ça tombe, je vends des trucs qu'il faut pas. Inventaire. Ouais, 7. Armure, 12. J'ai eu des gants verts. Non, c'est pas des gants. Ah, ouais, c'est un sac de sûreté. On l'équipe. Votre niveau n'est pas assez élevé pour équiper cet objet. Il est niveau combien? Ah, ah ouais, niveau 4, ouais, chaud. Ouais, bon, du coup, on va vendre le reste alors. Le meilleur deal de toute la ville. Alors, vous avez soit la possibilité, comme je fais, soit de vendre un par un, mais personnellement, il y a une technique plus facile, c'est que vous voyez, vendre, retour, comparer, vous faites L2 pour marquer, comme ça, normalement, à un moment, enfin, je pourrais vendre tout d'un coup, je pense. Vendre les objets marqués. Vendre en vrac, c'était de vendre tous les objets marqués comme déchets au marchand. Vendre des objets ne vous permet pas d'obtenir le maître. Ok. Nice. En plus, je suis bientôt niveau 4 à ce que je vois. On va se réapprovisionner en munitions. Voilà, ça c'est fait. On y go, les potes. Je m'excuse encore une fois pour la petite interruption qu'il y a eu tout à l'heure. Hein. Je sais pas, il y a eu une erreur de serveur, ça peut arriver. Lui, il est déjà niveau 7, il est chaud. Hey, salut Van, comment tu vas? Ça va? Ça va bien et toi? Donc ici il y a la petite carte, là, on va la lire. Voilà, ça c'est bien, ça met à jour la carte. Hein. Donc vous voyez ce que j'ai débloqué? J'ai débloqué rencontre, 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 rencontre. Donc toutes les rencontres, il faut savoir que ça c'est des. Ça va. Ouais, en gros, les rencontres, c'est tous des objectifs divers. Elle m'a perturbé, la femme, perso. Il y a des missions secondaires et des missions principales. Il faut savoir que c'est limite infini. Je crois. En tout cas, les ennemis repopent à l'infini. Donc, du coup, voilà. Donc, j'espère que vous passerez un bon stream. Que ça vous plaira. N'hésitez pas à m'envoyer en commentaire comment vous trouvez le jeu. Si. Vous hésitez à l'acheter, n'hésitez pas à me demander. Hein. De toute façon, vous allez le voir au fur et à mesure du let's play. Parce que je fais l'intégrale sur The Division aussi. Vous inquiétez pas, il a l'air vraiment bien, franchement. Ouais. Bon, il y a, comme je le disais dès le début, il y a déjà encore quelques petits problèmes de serveur. Déjà, j'ai vraiment peur que ça arrive maintenant. Que je bug à cause que. Pourtant, je suis en solo. Normalement, ça devrait pas arriver. Mais au pire, si jamais ça devrait arriver, bah écoutez. On va faire avec, hein. Parce que bon, si par exemple je suis loin et que ça m'arrive en pleine mission, du coup, ben c'est chaud, on pourra pas relancer. Au pire, on la refera la mission, parce que je pense qu'on peut refaire la mission. Oui, ça va, tu es sur quel jeu? Je suis sur The Division, Van. Le nouveau jeu qui est sorti le 8 mars 2016 sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Et c'est développé par Ubisoft. Mon frère l'a acheté aujourd'hui. Ah ouais, bah écoute, je pense qu'il a pas fait une erreur. Parce que, écoute, il y a beaucoup d'échos qui disent qu'il est vraiment bien, tout ça. Maintenant, j'attends le test. Normalement, il devait le faire hier soir. Je l'ai pas vu. Ils mettent du retard pour le test. Et c'est ça qui me fait un petit peu peur. Je me dis, ça tombe, ils nous disent ça, mais voilà, ils nous ont menti. C'est ça que j'ai un petit peu peur. Mais je pense pas. Du coup, voilà. Donc, on va en marchant, les gars. On va poser, poser, tranquillo. Tranquillou. Niveau 5, 3 à 5, chaud. Pennsylvania découvert. Ok, très bien. What the fuck?
On peut vraiment aller partout, les gars, c'est un truc de malade. Perso, je vais pas aller par là. Optimus Prime, les gars, trop stylé! Pas Optimus Prime. On a compris quoi, c'est pas vraiment le vrai Optimus. Je pensais qu'il y avait des ennemis. Bouche. Non, franchement, je pense qu'il a vraiment pas fait d'erreur. Il est bien, moi en tout cas, je kiffe. J'y ai pas encore joué beaucoup, hein, tu peux voir. En fait, j'ai deux persos. J'ai déjà un perso qui est niveau 6 et celui-là actuellement qui va passer niveau 4. Mais sinon, j'ai déjà plein de potes dans mes a... ouais, dans ma liste d'amis. Il y en a déjà un dans mes amis, il est déjà niveau 21, gros. Il a rushé le jeu du. Bah, perso, ils ont déjà tracé. C'est niveau 21, vous imaginez, les gars? Je sais pas. C'est chaud. Je l'ai sorti hier, ils sont déjà niveau 21. Tu t'en bats sûrement les couilles, mais mon anniversaire c'est dans 4 jours. Non, 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 du tout, je m'en bats pas les couilles, frérot. T'inquiète, je te le sauterai, j'essaierai de pas l'oublier. En plus, bah tant mieux, ça tombe au week-end, nickel. Attends, dans 4 jours, demain on est jeudi, vendredi. Ça tombe dimanche, frérot, c'est dimanche. Est-ce que c'est dimanche? C'est parti, hein. Donc on fait la mission principale, on va se concentrer pour les missions secondaires par la suite. Ce serait déjà bien d'établir la base d'opération, puis on verra. Non, 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 vraiment, t'inquiète, ben, je m'en bats pas les couilles. Pourquoi je m'en battrais les couilles? C'est. Je sais pas. J'ai du respect, t'inquiète, hein. T'es super sympa et tout, je vois pas pourquoi je te le souhaiterais pas. Il va où lui? Il est où le mob? Ah, il est là. Tiens, mange. Rencontre terminée, nice. Bah écoutez, parfait. 60 de ravitaillement de l'insécurité, 34 crédits. Non lundi, dans 5 jours, merde. Ah ouais, ok. Mais bon, je suis en congé lundi, mardi, gros, alors je suis peinard. Ah, c'est la classe! Franchement, je suis d'accord avec toi, c'est la classe quand t'as congé. Aux alentours de ton anniversaire ou même le jour même. Habilité et autorisé par décret présidentiel et par la directive 51 du DHS dans le cadre de l'opération Réponse Phase 2. Si vous m'entendez, on est attaqué. Il nous faut des renforts ici. Nous envoyez. Envoyez-nous tout ce que vous pouvez. Hé, hey, y a quelqu'un au moins? On arrive. Faites juste gaffe de ne pas tirer sur ceux qui vont venir vous aider. Terminé. Bah, personnellement, moi, je vais pas te cacher que ça va peut-être être la première année. Où j'ai fêté mon anniversaire en congé. Peut-être, hein, je dis bien peut-être. Je vois qu'il y a des outils ici. Outils, outils. Ça c'est vraiment trop cool. Il y a des outils, si on les prend les gars, hop, on sert. Ça va vous servir les outils à crafter des armes. Mais non, non franchement c'est cool, j'avoue d'être peinard ainsi et tout. Jour de son anniversaire en congé et mardi, ben franchement, faites ça bien, frérot. Et je te le souhaiterais, t'inquiète pas. Au pire, pour t'honorer, frérot, je te ferai un live si tu veux. Si ça t'intéresse. Maintenant, bon, peut-être que tu seras pas là, mais tu fais ça aussi, mais. J'irai en live, si jamais t'es pas là, je dirai en live. Hey les gars, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Van. Allez, lui, c'était bon anniversaire. T'inquiète, je le ferai. Promis. Franchement, ça me tente. Pour toi, frérot. Et pourquoi pas, vu que c'est ton anniversaire, tu pourrais peut-être me donner un défi. En tant que streamer, je sais, bien sûr sur les jeux que je stream, hein, tu vois, mais je sais pas, pour qu'on rigole un peu, si tu veux, on peut faire une vidéo détente, délire, etc. Et si jamais t'es pas là, ben je le ferai et tu regarderas la rediffusion, tu vois ce que je veux dire. Ah, tu seras là? Putain, nickel alors, frérot. Oh, nice. Voilà. Bon, lui, je l'ai séché, pardon. Là.
Bouge! Je sais pas ce qu'il faisait mon perso là, mais c'était chaud. Attends, hein, je vais les lire après les messages, t'inquiète pas frérot, je termine juste ici de les tuer. Nice. La situation est sous contrôle. Voici mon rapport officiel. Les gars de la division ont sauvé nos fesses. Merci pour le rapport, équipe Bravo. Heureux que vous soyez en un seul morceau. Faites attention à vous et bonne chance. Maintenant, on va reconstruire la base. Allez, jetez un œil. J'ai réussi à trouver un moyen de transport et je me dirige vers votre position. Ensemble, on va y arriver. Ouais, je sais que j'ai cours van lundi, mais y a pas de raison que je le fasse après-midi, hein, gros. Je peux le faire après-midi, tu vois, quand je rentre. Genre, ce que tu veux. Au pire, c'est toi qui proposera le jeu à l'IV. Pourquoi pas on pourrait faire ça, tu vois. Excuse-moi, j'ai encore un petit peu du mal à me prononcer quelquefois, les gars. Enfin voilà quoi, si tu veux tu peux proposer le type de jeu, genre je sais pas, sur Fallout, bah, par exemple de Division, ou... Et je sais pas, tu me donnes un défi pour ton anniversaire, tu vois, c'est ton jour, c'est toi qui décides, c'est toi qui prends les choses en main, qui donne les rênes au pire. Ouais, moi ça me dérange vraiment pas, hein, tu sais, pour un anniversaire, y a respect quoi, tu vois, c'est normal. En plus t'es super sympa, tu viens régulièrement sur mes lives, tu vois. Tu parles avec moi et tout. Tu m'as rajouté sur Skype et tout. Non, ça mérite, gros. Je suis désolé. Bon, on rentre dans la base, les gars. La base d'opération. Donc, on a nettoyé les lieux. Il y avait un petit boss. Hein. Je sais pas si vous avez fait attention. Il faut que notre base soit fonctionnelle et que les habitants de New York comprennent qu'on est en train de reprendre la ville. Notre base d'opération a du potentiel, mais pour l'instant, elle fait peur à voir et on n'a personne pour la staffer. Si on veut être opérationnel, on a besoin de pros et vite. Des médecins, par exemple. Il y a une virologue qui gère un hôpital au Madison Square Garden. Mais la zone est un vrai bordel. Avec elle, on pourra rouvrir l'aile médicale. Sans elle, par contre... On a perdu le contact avec le commandant de la JTF, Benitez. Ramenez-le. Il nous le faut pour mettre en place le département sécurité. Et puis ce sera bon pour le moral des troupes. Il faut aussi qu'on rétablisse les services de base. On a besoin d'électricité et de renseignements. Il y avait un type qui travaillait dessus, mais il a eu un problème au cours d'une réparation. Sans lui, on est dans le noir. Alors frérot, je pense que tu vas être déçu un petit peu. BO3, je l'ai pas en fait. Enfin, je l'ai, mais c'est mon meilleur ami qui l'a. Je lui ai prêté, tu vois. Donc du coup, je le laisse, c'est lui pour le moment. On fait beaucoup de zombies, du coup. C'est pas ça, hein. Moi ça me dérange pas, il y a peut-être moyen que j'en fasse une parce que bon, je suis un bon joueur à Call of, tu vois. Mais de là à faire une nucléaire... C'est tout seul, c'est chaud quand même, tu vois. Ou alors il faudrait que je sois en équipe. Moi, c'est un défi qui m'aurait vraiment plu, je te jure. Mais je là, c'est mort. Faut que tu me proposes un autre jeu. À part celui-là, tous les autres jeux, il y a moyen. J'ai beaucoup de jeux, hein. J'ai... Franchement, voilà. Non, mais franchement, je l'aurais bien voulu le faire, hein, ton défi. Une nuque. Gros, j'ai déjà réussi à faire des 25-0, tu vois. Il y aurait eu moyen, hein, franchement, si je serais tombé dans une belle game et tout. Donc on va lire les trois, vous voyez il y a trois ailes différentes, donc il y a la première aile ici, je vais vous montrer à la base. T'inquiète pas hein, Vanna, je réponds à tes messages. Donc il y a trois couleurs différentes, il y a couleur verte, orange et bleu. La couleur verte donc ça correspond à l'aile médicale, donc médecin, toujours en vert on va dire comme ça. Donc voilà, on va la lire, on va faire une chose à la fois hein. Tu veux dire quoi pour par créer un niveau sur GTA 5? Donc après, il y a la ligne orange qui va tout droit. L'aile technologique a connu des jours meilleurs, mais si vous arrivez à ramener Rhodes... Il devrait pouvoir faire des miracles. Il était dans une SMP avant, je crois. Et il en sait plus qu'il ne le laisse paraître. Je pense qu'il nous sera très utile. Parce que personnellement, je sais bien que c'est un défi. Normalement, c'est vous qui choisissez. C'est toi. Mais je préfère te dire une chose après, parce que je parle.
Il peut les mobiliser et nous aider à obtenir les renseignements et les armes nécessaires pour accomplir notre mission. Donc voilà, moi je te propose que je fasse un défi sur tous les jeux que je l'avais après, jusqu'à maintenant. Donc soit Uncharted, parce que j'ai commencé Uncharted, soit deux divisions, soit un défi sur Fallout. On peut faire genre un délire, tu vois, sur Fallout. Moi je fais du tout hein, sur Fallout, je fais pas que l'intégrale, l'histoire, etc. Oui, j'ai pu vous publier ça, mais par exemple, on pourrait faire des délires au Fat Man ou aller tuer tel Bob au corps à corps, tu sais, pour rigoler, même si. Au moins le fait d'essayer, tu vois. Moi, Call of, franchement, je te l'aurais fait le défi. Mais ici, en fait, je vais pas te cacher que GTA 5, c'est pas une excuse, hein, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup joué. Je pense que je suis level 100 aidé. Ouais, non, je suis vraiment. Je pense que je suis pas loin de 200. Et je l'ai désinstallé parce que ça m'a un petit peu saoulé GTA, tu vois. Avec tous les jeux que je suis en train de streamer. Pour le moment, je les désinstalle, je joue plus. J'ai pas dit que j'arrêtais GTA, tu vois. Mais voilà. Donc, moi, je te propose. Plutôt sur un jeu que je suis en train de stream, tu vois. Parce que sinon, je vais devoir réinstaller le jeu. Et perso, tu vois, sur GTA, j'ai pas encore publié une seule vidéo. Du coup, ça fait con si je fais une toi. Il faudrait un jeu où je fasse un let's play, où tu vois, je fais une sauvegarde antérieure. N'importe quoi, hein, au niveau de défi, n'importe quoi, mais pas sur les jeux que je pas. Rocket League, mais j'ai pas Rocket League. Tu vois, là, tu dis des jeux, essaie de gagner 5 games d'affilée. Mais voilà, Rocket League, par exemple, j'ai pas, tu vois. Tu vois, il y a des jeux que j'ai pas, gros, c'est chaud. Moi, je veux bien te faire des défis, mais. Ouais, quand même, tu vois. Mon petit cinématique. Écoutez, il y a moyen de trouver, hein. J'ai une nouvelle. Je pourrais pas vous accompagner, enfin, pas avec une jambe dans cet état. J'en fais un maximum depuis. Au pire, tu peux réfléchir ce que lundi, on a le time, quoi. À quel point je voulais être sur on a 5 jours. Je me suis entraîné toute ma vie pour vivre ce genre de situation un jour. Mais c'est pire que tout ce qu'on a pu imaginer. Vous et moi, on nous a interdit de nous attacher à qui que ce soit pour pas être perturbé le jour où on nous active. Eh ben, j'ai obéi. Et ça a pas marché. Je me sens impliqué. C'est mes compatriotes, c'est ma ville. Et on va la reprendre. Écoutez, il faudrait que. Oui, je sais. Je sais. Ils comptent sur nous. On peut pas les abandonner. Alors, tu dis que tu connais pas bien les jeux que je fais. Ouais, donc je fais Fallout, ça tu sais. Moi par exemple, tu vois Fallout, bon je dis pas, c'est pas parce que c'est Fallout que ça y est et tout, tu vois. Mais par exemple, Fallout, il y aurait moyen de trouver un défi. Il y a tellement de trucs à faire dans Fallout 4, tu vois, qu'il y a moyen de trouver un défi, tu vois. En plus que, je sais pas si je t'ai dit, j'ai créé sur Fallout 4 un perso corps à corps en live. Donc tu vois, au couteau, il y aurait peut-être moyen de faire un bon défi, quitte à vraiment rire, pleurer de rire, etc. Ou genre le Fat Man et tout ça. Par exemple, j'ai beaucoup de grenades dans mon coffre, des Fat Man, des lance-roquettes et tout. De toute façon, on a lundi. On a jusque lundi pour réfléchir, frérot. Je vais noter ça. J'oublierai pas ton anniversaire, frérot, parce que maintenant que tu me l'as dit, ça va me trotter pendant jusque lundi pour te le souhaiter. Donc, soit Fallout, ce que je t'ai dit maintenant. Deux divisions, pourquoi pas. Mais deux divisions, c'est vrai que c'est le début, tu vois. Je débute, etc. Faire un défi à deux divisions direct comme ça d'entrée, faut connaître le jeu, tu vois. Du coup, c'est chaud. Uncharted. Je vais. En fait, il faut savoir que les gars, je vais faire le 1, le 2, le 3. Donc, je vais streamer les trois jeux au niveau scénario, juste simplement. Faire les histoires des différents opus. Avant la sortie du 4 qui sort le 10 mai 2016 prochain, donc normalement c'est faisable, mais ça va être juste quand même. Il y a quoi d'autre? Et le dernier jeu que je stream, c'est Diablo. Essaye de trouver le mob le plus rare de Fallout. Ouais, on peut faire ça. Mais est-ce que j'ai droit à internet ou pas internet? Est-ce que je dois le trouver par moi-même comme ça? Parce que moi je le connais pas perso, hein. Tu vois. Je sais pas c'est quoi le plus rare, mais il y a moyen que je te trouve un bon truc ou un truc de fou. À moins que toi tu le sais. Au pire, ce qu'on pourrait faire, c'est que. Tu vois, je me lance dans la map et tu me guides.
Tu fais, continue tout droit, tu vois. Bon, ça va être un peu chiant, tu vois. Mais tu me dis, tu me précises dès le début, le mob qu'on cherche se trouve en bas à droite de la map, dans la mer luminescente, je sais pas, dans une zone, tu vois. Et j'y vais, tu vois. Pourquoi pas, ça pourrait être un délire. J'ai le droit internet. Ah, j'ai le droit internet. Allez, ok, on fait ça. Marché conclu. Tu me dis quand t'es d'accord. Hein. Enfin, tu me fais un message si t'es d'accord. Moi, en tout cas, ça me va, frérot. Ah, j'ai débloqué des trucs apparemment. Inventaire. Ah, maintenant je peux. Aïe. Nice. Oh, j'ai une M4. Une M4 de la police, 1582. Nice. Alors, en deuxième. Je vais mettre celle-là. Parce que j'ai pas envie d'avoir deux M4, c'est un peu chiant. L'autre flingue. Armure bof. Ça, non, j'ai pas de nouveauté. Ah, ouais, là. 13. Bon, le reste, on va vendre. Tu cherches un truc ? N'hésitez pas encore une fois, les potes, à commenter hein, et à follow si ce n'est pas encore fait. Encore une fois, je vous le dis. Si vous ne connaissez pas... Enfin, si vous ne me connaissez pas encore, du moins. Hop, on va mettre tout à la... On va vendre tout ça. On a besoin de voilà, nice. N'oubliez pas. Je vois que j'ai une lunette, on va la mettre sur la M4 direct. Hop, inventaire. Donc on appuie sur l'arme, en fait vous avez trois armes différentes, l'arme principale, l'arme secondaire et l'arme de points. Vous faites X sur votre arme principale et vous avez vu, vous avez équipé, retour, comparé, mode. Vous faites mode et à ce moment là vous pouvez custom votre arme, donc vous pouvez même changer le skin. Mais bon, pour le moment je peux pas, j'ai pas encore vu personnellement. Vous pouvez avoir des chargeurs, des poignées, des silencieux, etc. Et un viseur, perso j'ai une lunette qui augmente de 2,50% ma précision. C'est une bonne lunette pour le début, personnellement. Donc voilà. Est-ce que je peux avoir une deuxième compétence? Ah, 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 ah. Non, pas encore. Oui, tu as le droit. Ça va être chaud, ça. Mais je connais absolument rien. Oui, moi, ça m'intéresse. Ça va être marrant. Mais franchement, frérot, on fait ça. On fait ça. J'espère que... Normalement, j'oublierai pas. T'inquiète pas. Donc, lundi... Tu sais quoi? Je vais mettre ça sur un papier quand j'aurai fini mon stream. Donc, oui. Donc, ça m'intéresse. Ouais. Et tu dois prendre les armes les plus nulles que t'as pour le défi. Tu veux que je le fasse au corps à corps? Ok, on fait ça. Mais est-ce que tu veux que je le fasse au corps à corps? Ou au niveau arme à feu, voilà. Soit arme à feu ou corps à corps, comme tu veux. Parce que mon perso corps à corps, si tu veux, il est niveau 3 ou 4. Et comme tu veux. Ouais, on pourrait faire peut-être les armes à feu, sachant que mon perso... Ouais, pourquoi pas. J'ai rien oublié, les gars. Je regarde un peu si j'ai... Excusez-moi, hein, je voyage un petit peu, mais je parle avec vous en même temps. Ouais. On peut y aller. On va sortir, hein. On va faire un petit peu de mission secondaire, les frérots. On va se balader un peu dans la ville. Pour toi, le plus dur. Bah écoute, je pense qu'on va quand même le faire aux armes à feu. Parce qu'au corps à corps, ça va être un petit peu abusé. Tu vois, je pense que je le tuerai vraiment pas au corps à corps. Hein. Gros, là, l'ennemi le plus puissant du jeu, personnellement... Personnellement, si tu dis le plus fort mob du jeu, je pense déjà c'est que à qui allez, ouh, je bégaye, je sais plus quoi dire. Je pense qui c'est le plus fort mob de Fallout 4. Je pense déjà qui c'est, tu vois. Je suis pas sûr hein, mais je crois savoir c'est quoi. Maintenant, je suis pas sûr encore une fois. Donc ce qu'on va faire, on va pas faire de mission principale. Moi, j'ai étudié la médecine pendant 6 ans. Vous avez peut-être regardé des séries américaines en vous touchant la nouille. Mais remettre un os en place, c'est comme ça que ça se passe. Alors, si vous voulez que je soigne votre... Quoi que si, on va faire la mission principale, les gars. On va aller sauver, regardez. Donc, c'est l'hôpital de campagne Madison. Niveau recommandé, niveau 4. Les émeutiers se sont emparés de l'antenne chirurgicale de Madison Square Garden et y détiennent un otage. Le personnel du CERA retrouver et sauver le docteur Jessica Candel et le personnel médical. Donc, vous voyez un petit peu sur la map, excusez-moi. Donc ça, les missions vertes, c'est ce qui concerne l'aile médicale. Là, c'est l'aile de sécurité.
Et le range là, c'est l'aile de protection. De protection, de technique. Technique. Ok, bah pour ça alors. Merci beaucoup, hein. Mais c'est bien, Van, y'a pas de soucis, frérot. T'inquiète, hein, c'est pas parce que. Vous allez avoir affaire à de nombreux éléments hostiles. Pas soit, je sais pas ce que je dis. What the fuck? Et nous avons besoin d'eux pour rétablir l'aile médicale de la base. Ouais, voilà, c'est pas parce que tu parlais plus pendant un petit moment que ça y est, hein. Je suis content, t'es frérot, y'a pas de soucis. Moi, du moment, je vous ai déjà dit ce que je pensais. Du moment que vous venez une seconde, même une seconde sur mon live, hein, moi ça me fait énormément plaisir, les gars. C'est un truc de fou, hein. Au moins, vous êtes passés, c'est ça que je veux voir. Il y en a, ça les intéresse peut-être pas forcément, tu vois. Ils aiment bien regarder des streams, mais sans plus, quoi. À un moment, c'est chiant, hein. Moi, je suis plus d'accord aussi, hein, quelquefois. Personnellement, je pense qu'après cette mission-là, je m'arrêterai là, hein. Je l'ai dit déjà. Parce que je pense qu'elle est quand même assez longue. Headshot. On connaît un petit peu les lieux, hein. Là, il y a un coffre. Je vais devoir arrêter. Bis sur la face gauche, pas de jalousie, hein. Ah bah alors je reste jusqu'à ce que tu as fini la mission. Ouais, pourquoi pas, comme tu veux. C'est toi qui vois. Si tu te sens fatigué et que t'as envie de partir ou que t'as autre chose à faire, gros, n'oublie pas, vous avez des vies, hein, les gars. Vous avez votre vie aussi, hein. Bon, maintenant, je vous oublie pas, restez, c'est ça que vous comprenez. Oh là, putain, il m'a fait peur, lui. Si vous arrivez à me donner accès au système de sécurité, je devrais pouvoir localiser Kendall. Enfin, voilà, mais maintenant, s'il y a pas de soucis, hein, frérot, si t'as envie de rester à l'esclave à la fin de la mission, c'est toi qui vois. Tu es maître de ton destin. En même temps, logique. Peut-être moi. Peut-être moi. J'ai pas compris la vanne. Ah, peut-être moi, tu veux dire. Ouais, mais t'inquiète, frérot, y'a pas de souci avec ça. Y'a pas de justifié. Je comprends, hein. C'est parti. Oh. Donc je fouille vraiment tout parce que quelquefois il y a des coffres, on les voit pas tous sur la map, les coffres. Faut savoir que ils sont pas, on les voit pas par un petit symbole, hein. Il faut vraiment les découvrir soi-même. Du coup, quelquefois, voilà quoi. Faut vraiment bien garder partout. C'est un truc de malade. Apparemment, il y a l'air de plus rien avoir ici. On va continuer. Et des faits à l'eau à passer le système de sécurité. Ouais, là-bas, il n'y avait rien du tout. Je m'en souviens parce que j'avais été sur mon autre game. Ouais, mais non, gros. Si tu dois dormir, va dormir. Reste pas. Je t'oblige pas, frérot. Gros, t'as besoin, on a besoin d'heures de sommeil. Il y a certaines personnes, ils en ont besoin, tu vois. Voyons ce que je peux trouver. Vous voyez les images de la caméra de sécurité? Pas mal. Apparemment, ils obligent Kendall et ses assistants à soigner leurs blessés. C'est la seule raison pour laquelle ils sont encore en vie. Non, j'arrête, mes arènes bougent beaucoup, alors ils vont pas tarder à arriver en haut. Ah ouais, je comprends. Ouais, c'est chaud. Ouais, parce qu'après, si tu risques peut-être de faire engueuler.
Bon ben frérot, alors si t'arrêtes, je te dis à lundi, mais il faut savoir que je streamerai ce week-end, donc n'hésite pas à venir me voir et je streamerai du Fallout parce que je voulais streamer du Fallout aujourd'hui, mais j'ai pas su, hein. J'ai fait 3 streams, normalement je devais en faire 4. Je vous avais promis du Fallout normalement aujourd'hui, mais du coup je me suis dit bah écoutez, on va faire du Diablo. J'ai fait du Diablo, du Uncharted. Alors Uncharted, j'ai commencé tantôt parce que c'est, il faut savoir que c'est l'un de mes jeux favoris et je me suis dit bah les gars, si je le fais pas en live, je suis un peu con quoi. Franchement, il faut que je le fasse en live, même si beaucoup de gens connaissent déjà le jeu, hein, mais voilà, il y a des ennemis là. C'est quoi le délire? Il me dit pas qu'ils ont non, ils ont pas respawn quand même, c'est pas possible. Ah non non, ils sont en haut je crois. Ok, putain, j'ai eu peur. Regardez, c'est trop stylé, on est dans une salle de sport, les gars. Dans un gymnase. Zut, j'ai raté. Oh, il est pas mort. Oh, y a beaucoup de mobs ici. Il est blessé. Et moi aussi. On va leur balancer une grenade. Oh oh. C'est chaud, les gars, ça. Je vais mourir. Et c'est chaud, il rush, hein, c'est dans. J'ai eu chaud, hein, perso. L'IA dans ce jeu, elle est super bien faite, les gars, c'est un truc de malade. Headshot. Kendall et ses assistants se trouvent encore à l'étage. Ils sont retenus prisonniers dans la cuisine de Cobiz. On a eu chaud. On a eu très 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 chaud. Je vais mourir comme une merde quand même, hein. Attendez, parce que je pense qu'il y a un coffre, j'ai mal regardé en fait. Faut vraiment bien regarder dans cette map, c'est chaud. Voilà, il y en a un. Un kit de soins, ça fait toujours plaisir. On va se réapprovisionner en munitions. Hop. Ah. Encore un kit de soins. Bon, je pense qu'on peut avancer, c'est bon. Regardez, c'est vraiment bien fait, hein. On est vraiment dans un, on dirait un stade, mais pas en plein air. Intérieur, donc ça doit être un stade de basket. Enfin, ouais. C'est parti. Je regarde, on a combien de temps? On a 42 minutes, les gars. J'espère que j'aurai le temps de terminer la mission. Faut que je me dépêche quand même. Ah, un coffre. Nice. C'est pour du loot, ça. Masque de garde. Prendre.
Donc voilà, tous les coffres un petit peu carrés comme ça, et rectangulaires, gros coffres. Ils ont complètement saccagé le garden. C'est pour du loot. Ça aurait brisé le cœur de mon père de le voir dans cet état. On venait souvent voir des matchs ensemble. C'est une bonne chose que mes parents n'aient pas vécu assez longtemps pour voir ça. Mais quand je pense à tous les gens qui font ce qu'ils peuvent pour survivre, c'est pour eux qu'on se bat. Allez-y. C'est parti. Ah ouais, ici, il y a une porte verrouillée découverte, filtre. On va la tenter. Donc, il faut savoir que les zones contaminées, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Je vais peut-être mourir, hein. Il va falloir courir en fait les gars ici. Parce qu'il y a un coffre. Mais en fait la zone est contaminée. Donc je vais vous montrer 3, 2, 1. Attention. Voilà, il faut courir. Pour accéder au restaurant, vous allez devoir traverser plusieurs zones contaminées. Hop, et on ouvre le coffre. Je vais mourir hein, perso. Ici avant d'être abattu. Alors... Voilà, je suis mort. En fait c'est juste pour avoir le loot. En fait s'il y a un gros coffre, et vous avez vu j'ai looté du bleu, et il y a beaucoup de zones contaminées comme ça. Il faut généralement en fait, je suis mort parce que mon arme est puissante. Je suppose qu'il doit avoir des radiations, des trucs ainsi. Du coup, je suis mort, ben salement. Donc ce que j'ai vu, c'est que j'ai une armure, ouais, donc masque. Là, c'est niveau 5, ok, très bien. Oh, oh les gars, on passe de 13 à 29 au niveau sac de sécurité. Ça, c'est bon, ça. Et c'est quoi qui me rajoute? Capacité du sac 35, attributs principaux plus 11, classement d'armure, plus 3% de résistance aux brûlures, pas mal. Je vois que j'ai un chargeur, on va le mettre dans les modes. Non, c'est pas le chargeur, je sais plus c'est quoi. Ah, c'est un silencieux SR7. 4% de stabilité, 2,50 de réduction de la menace. Oh oui, ça c'est bon ça. Les gars, on le met, on s'en bat les couilles. Hein. Perso, direct hein, ça. Donc voilà, perso, après ça sert plus à rien de retourner. Vous êtes obligé de mourir au moins une fois en fait. Hein. Enfin, perso, au début, ouais, parce que j'ai pas de masque, j'ai rien du tout en fait. Donc. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de zones contaminées. Donc les zones contaminées, c'est. Inscrit comme ça sur la map. Un petit peu à la manière de d'Inline, hein. Je sais pas si vous avez déjà joué le jeu de zombies. Go la suite. Nice. Oh, il y en a qui fait le tour là, il est où le... Nice. Oh, les silencieux dans le jeu, c'est une tuerie. Restez à l'abri et vous faites parpérer. Attention, élément hostile détecté. Oh oh.
escorte et suis des pieds. Je m'amuse, les gars, là. Malgré que je sois niveau 4, je m'amuse. Montez et éliminez les types qui leur tirent dessus. On est bloqué. Il faut que quelqu'un monte dégager le terrain ou on s'en sortira pas. À vous de jouer. Oh, pauvre chien. Allez, on touche. Le même chien qu'on a pris pour venir. Il y a une escorte qui s'est braquée. Il a morflé le chien, lalalala. Oh, on peut descendre ici. Oh, ça tombe, il y a un coffre et tout, je sais pas. En fait, on est ok, on est monté dans les gradins et tout, trop stylé. Vraiment. Ok, y a rien. C'est juste pour avoir une vue en fait. Je vais regarder là-bas. On a ouvert la porte, mais là c'est fermé. C'est chiant parce qu'il faut vraiment tout explorer à la recherche d'un coffre et tout. C'est chaud. Je vais voir si je tire dans l'écran. Ça fait quoi? Oh, ça fait rien. Zut. What the fuck? Bon, on y va. Allez, go. Ah, ici, il y a un coffre, si je me souviens bien, parce que j'ai déjà fait la mission là, hein, sur mon autre perso, avec des potes. Ici, il faut savoir que je vous publie en live un petit peu de mon côté en solo. Mais il faut savoir que par après, je jouerai en multi sûrement avec des potes et tout. Hein. Vous inquiétez pas avec ça. Pour ce qui est des patrouilles dans la Dark Zone, hein, il faudra être niveau 10, etc. Enfin, il faut être au moins niveau 10 pour participer personnellement. Moi, je vais attendre d'être niveau 10. Sinon, voilà. Ça va, frérot? Ah, t'as un gilet de recrue, pas mal du tout. On va se l'équiper directement d'ailleurs. Ouais. Ah, allez, à chaque fois, ce niveau 5, quoi, ils sont sérieux. Faudrait que je passe niveau 5. Vous inquiétez pas, de toute façon on va aller vraiment à son aise. Moi je compte vraiment vous faire quand même beaucoup d'épisodes, hein, et que comme ça au moins je me lasse pas. Et comment dire, on a de quoi faire en stream avec vous. Moi franchement je kiffe faire ça, vraiment, hein, depuis que j'ai connu le stream, etc. Je suis vraiment à fond dedans, les gars. C'est un truc de malade. Enfin, je stream uniquement le mercredi et le week-end. Et quand je peux, de temps en temps en semaine, mais c'est rare. Genre par exemple lundi, je streamerai pour Van parce que c'est son anniversaire, hein, les potes. Donc j'espère que vous serez là. Ça pourrait être bien pour lui et tout. En tout cas, moi je serai là pour lui. Il le mérite, ce type. C'est vraiment un chouette type, un chouette gars. En plus, il vient assez souvent. Ça, c'est bien. Voilà, c'est la guerre ici. C'est la guerre. Un mort. Oh, il fait quoi lui? Fait le malin. Oh, les impacts de la grenade, on a comme dans les films et tout, on est sonné, on entend les bruits. Trop bien. Il est quoi lui? Il va mourir, de toute façon il est mort. Nouveaux éléments hostiles en approche. Alors ma compétence, pour ceux qui ne savent pas, je fais R1 enfoncé, mais là elle doit se recharger. Et après en fait c'est un explosif qui se colle aux ennemis. Et je dois réappuyer une fois sur R1 pour le faire exploser. Oh, il y a un boss au-dessus là-bas. C'est un jaune je pense. Il fait trop mal, c'est un malade.
Il est. Regardez, il est là, la sulfate et tout. On va essayer de gérer, ça va être chaud, mais bon. Très dur, hein. Personnellement, c'est très dur. Aïe, 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 aïe. Non, non, je suis mort. Ouh, j'ai chaud. Galérer, je pense. Parce qu'il fait trop mal, lui. Ouais, je suis mort. C'est dur, hein, les gars. Putain. J'espère que j'arriverai à le tuer, moi, quand même. Je suis à combien de temps? 54 minutes. À 54 minutes, on va dire 55 minutes de live. Bon, si je vois que j'arrive, si je vois que j'arrive pas à le tuer, ben écoutez, on fera parce que je pense que j'ai fait la mission un peu trop tôt, je pense. J'espère pas, mais personnellement, il faut que je me rapproche de lui en fait. Nice, voilà, t'es passé. Alors? Ah, quand même. Attention, nouveaux éléments hostiles en approche. Il fait mal là, il arrive quand même à me toucher lui, c'est chaud. En plus là normalement je vise sa tête. Attention, nouveaux éléments hostiles en approche. Bon, personnellement je suis grand mort, hein, je pense. Allez, putain. Ah, ça va me gaver, je pense encore. En fait, c'est son bouclier qui gêne. Et une fois son bouclier détruit, c'est bon. Il est mort. Vous savez quoi les gars? Je pense que j'ai pas le niveau. J'ai pas assez de dégâts déjà, je pense. Même si je suis niveau 4, j'ai quand beaucoup de trucs blancs, j'ai à part une arme verte, il me faudrait un peu plus de stuff, je pense.
Parce que regardez, en santé, j'ai 840, 430 puissance compétence, DPS 1590. Et je sais pas, je fais pas beaucoup de dégâts tout seul, hein, c'est chaud. Donc du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que... On peut pas quitter la mission. On va retenter une fois, les gars. Si ça va pas, vraiment pas. Hein. Parce que je sais pas, ici, je fais deux épisodes. Ça commence mal pour moi sur deux divisions. Personnellement, j'arrive pas à... Je sais pas, je fais de la merde. Enfin, c'est pas le fait que de pas savoir jouer et tout ça, mais je sais pas. Moi, j'aimerais bien le tuer en fait, et voilà, basta la mission. En plus, j'ai plus de soins, il me donne un seul soin, mais tu veux que j'aille faire quoi avec un seul soin? Regardez, je suis déjà plus de la moitié, j'ai plus que la moitié de ma vie de jeu. Allez, c'est pas normal. En plus, il drop rien du tout. Ah ouais, l'autre il me tire déjà dedans. Mais oui, gros, tire-moi à travers le bâtiment, on dira rien. Oh, il est OP lui. C'est saoulant quand même. Regardez, je le mets pas, je l'ai pété que la moitié. Parce que je pense que son bouclier peut se régénérer en plus. Regardez, maintenant sa vie elle part super vite. Ouais, j'ai eu. Nice. L'équipe médicale est en sécurité. Kendall et ses assistants sont... Voilà, quand on se concentre. C'est un excellent début, agent. J'aurais bien aimé pouvoir vous couvrir tout à l'heure, mais je pense qu'on forme déjà une équipe très efficace. Une fois que vous serez de retour à la base, il faudra qu'on parle à Kendall, histoire de voir comment elle peut nous être utile. Moi perso, je pense qu'on va s'arrêter sur la piste d'atterrissage ici, de l'hélicoptère. Ça pourrait être une bonne zone. Ouais, j'ai génivé ça, mais j'ai galéré quand même. Putain, gros, chaud, hein, le jeu. Bah, tant mieux, tu vois. Moi, ça donne vraiment du fil à retordre, etc. C'est cool. Du coup, les gars, moi, je vais m'arrêter là, parce qu'il est déjà 22h40. Moi, demain, je dois me lever très, très, très tôt. Voilà. Donc, j'espère... que cet épisode 2 vous aura plu malgré un petit bug en début de live. Faut savoir que les serveurs ne sont pas encore totalement optimisés, il y a encore des petits problèmes. Du coup, sûrement que ce week-end ça ira mieux, ils vont sûrement faire des mises à jour, etc. Il tourne super bien le jeu, franchement, malgré ça quand même, il y a juste ça comme problème en fait. Et quelques petits bugs par-ci par-là, mais sinon, voilà. Donc je vais m'arrêter là les potes. Merci encore une fois à Van d'avoir discuté avec moi. T'inquiète pas frérot, tu te reconnaîtras dans la vidéo, j'oublierai pas lundi. On fait ça pour ton anif, hein, on te fait un défi. Le défi que tu m'as donné, donc trouver le mob le plus fort dans Fallout 4. Hein, je rappellerai ce week-end, ne t'inquiète pas, j'oublierai pas ça. Merci à toi Primera de venir assez souvent sur mes lives. T'es vraiment le frérot que je n'ai jamais eu. Et voilà. Franchement, je te le dis sincèrement,
autant qu'Adriano. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? N'hésite pas à venir me voir lundi. Je sais bien que tu rentres tard du, comment dire, du, on va dire du boulot, hein, du, de tes études, hein, parce que je sais bien que tu fais quand même de grosses études. Donc du coup, n'hésite pas à venir me voir lundi soir. Je vais faire un stream spécial pour Van. C'est prévu parce que ça va. Je sais pas si t'as lu un petit peu la converse. Tu me fais rougir. Bah tu sais bien, gros. Merci encore à tous ceux qui n'ont pas parlé sur le stream mais qui sont là, et je les remercie également aussi parce que franchement sans vous ça serait nul, je vous le cache pas, même si ça ne m'empêcherait pas de streamer parce que j'adore ça. Mais voilà, donc merci encore une fois à tout le monde d'avoir regardé l'épisode 2 sur Tom Clancy de Division. Il est encore une fois, et je le rappelle, développé par Ubisoft, hein, donc franchement c'est un très 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 bon jeu, je vous le conseille. C'est un RPG, donc un MMORPG. Il y a, c'est du, on va dire, du multijoueur massif, mais monde ouvert. Donc je rappelle encore une fois, on va finir sur cette map, je pense. La map, c'est tout ça. Il y a vraiment beaucoup. Regardez, il y a des trucs là. Il y a Central Park et tout. Enfin, il y a vraiment la totale. Et je pense qu'il y a même des zones ici, en bas, etc. Limite. Soit. Merci encore une fois d'avoir regardé mon stream. Merci à toutes les personnes, je remercie vraiment tout le monde. N'hésitez pas à venir me voir vendredi soir. Donc vendredi ça sera un petit peu plus tard les streams parce que je suis pas disponible avant. Voilà, donc c'était Starkiller 1989, les potes, n'oubliez pas le j'aime, le commentaire, le follow si ce n'est pas encore fait. Allez voir aussi sur ma chaîne YouTube, hein, j'ai publié des vidéos aujourd'hui que je dois seulement modifier. Merci encore une fois. J'ai cherché chez moi à 18h, j'en ai marre de perdre mon temps pour un cours. Pourquoi tu dis ça? J'en ai marre de perdre mon temps pour un cours. Enfin, soit, tu me diras ça plus tard au pire. Donc merci encore une fois à tout le monde. Merci les frérots, je vous dirai jamais assez merci, je pense, vous entendez en train de vous dire, voilà. C'était Starkiller, les potes, prenez soin de vous, bonne nuit à toutes les personnes qui vont dormir, et à vendredi. Ciao, ciao.